Salut monsieur, je suis francophone, comment ça va? J'espère que ça va bien. Ben voilà, je suis en plein tournage, on fait des vidéos, on fait des photos, on bosse ici à House of Love. Mais je dois vous parler parce que je n'arrête pas de recevoir. J'ai reçu plein de messages de gens qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce The qui s'est Voice, The passé? Voice, The raconte, Voice, Sugar The Love, Voice, qu'est-ce qui raconte, s'est Sugar passé, Love, The Voice? qu'est-ce qui s'est passé? The Voice. Je vous explique, j'ai 5 minutes et je vais être très vite. Donc, The Voice. Si vous étiez là au début de l'émission, au tout début, on appelle les blind auditions. Moi, j'étais là-bas avec Lady T parce que je voulais l'aider à aller jusqu'à la porte de The Voice. Elle m'a fait demander ça, si je pouvais l'aider à donner un peu la forme de son personnage. Je l'ai aidé. On a créé des maquillages ici. On a créé le look qu'elle allait faire, qu'elle a fait en fait. Tu vois, la robe avec les fleurs et tout. C'est ici à House of Love qu'on a fait la robe. Ça a pris 3 jours. On a collé fleur par fleur. Mais la robe, elle était magnifique. Voilà. Ils nous sont très fiers. Donc, le jour du tournage de Blind Audition, moi, j'étais là-bas. Vous avez vu déjà. J'étais comme une folle là-bas. J'étais dans le studio, je parlais avec le jury. Oh, Henri, qu'il était beau. Et bref, la petite était prise. Donc, Lady T était au device. Maintenant, vous avez vu ça. Le duel, c'était pas. Elle n'était pas prise. Mais nous sommes très fiers de ton parcours, ma chérie. Tu étais la première drag queen à aller au The Voice Belgique. Et ça, c'est déjà une victoire. Après l'expérience de travailler avec Henri, avec tous les coachs qui étaient là. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, c'est à toi de choisir la porte parce que plein de portes étaient ouvertes pour toi. Maintenant, choisis le bon chemin. Travailler, bosser, continuer. Ne laisse pas tomber ta carrière de drag queen parce que c'est que le début. Pour le blind audition, moi j'étais là-bas. Mais après, quand elle a été prise, j'ai dit à Lady T, voilà ma chérie, je suis à Bruxelles. Tous les tournages sont faits à Liège. Et moi j'ai dit, écoute, c'est très compliqué pour moi. Mais maintenant, avec la pandémie, je devais prendre le train et tout. J'ai dit, non, moi je ne peux plus rester avec toi. Je reste à Bruxelles, mais à toi de choisir quelqu'un. Donc, The Voice a donné un maquilleur. Donc, c'est lui qui a fait le look qu'elle portait aujourd'hui. Et aussi la production, le costume et tout, c'est elle qui a trouvé avec The Voice et tout. Donc voilà, j'ai pas participé du duel. C'est pour ça que j'étais pas avec Lady T. Donc voilà l'explication. Comme ça, vous êtes au courant. Parce que les gens ont commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'es pas là, et le maquillage qui a fait, c'est toi, et la robe, c'est toi, et la perruque, c'est toi. Donc, c'était pas moi pour le duel, c'était pas moi. Moi, j'ai participé du blind audition, j'ai participé de ça. Et pas de ça. OK? Donc, voilà. Encore un grand merci à l'équipe de The Voice, à tous les jurys. Henri, merci beaucoup pour soutenir la petite. Et maintenant, ma chérie, c'est à toi de bosser et continuer ta carrière. Tu as une grande aventure et nous sommes très fiers de toi. Voilà, mes chouchous, c'est ça, très vite parce que moi, je travaille, je bosse. Continuez à me suivre ici. Et Instagram et Facebook et YouTube et tout. OK? Un gros bisou et à très bientôt. Bye.